Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je couple mon régulateur d'allure avec le pilote électrique. En premier point, le pourquoi de ce choix technique. Et en deuxième, en image, le pilote est couplé avec le régulateur d'allure. Je coupe ma vidéo après avoir fait le montage parce que je m'aperçois que j'ai oublié un point de détail extrêmement important dans l'explication. Le gros avantage de cette méthode pour ceux qui ont des gros bateaux. Normalement, ils dépensent une petite fortune dans les pilotes électriques puisqu'il leur faut des pilotes électriques suffisamment puissants pour barrer leurs bateaux lourds, généralement montés directement sur le secteur de barre. Avec cette méthode, s'ils ont un régulateur d'allure, ils vont pouvoir utiliser un pilote électrique d'entrée de gamme entre 300 et 400 euros. Puisqu'en effet, les efforts sont produits par le régulateur d'allure, c'est lui qui est directement connecté au secteur de barre. Donc le pilote électrique, lui, il ne fait que diriger le régulateur d'allure, et ça demande pas beaucoup d'efforts. Donc il n'y a plus besoin d'un pilote électrique extrêmement puissant, comme c'est le cas quand il est branché, lui, directement sur le secteur de barre. Et si en plus vous utilisez un PiPilot comme moi, vous allez avoir une qualité une tenue de cap assez exceptionnelle. En plus, vous pourrez utiliser cette méthode aussi au moteur, puisque normalement le régulateur d'allure n'est pas utilisable au moteur, puisqu'il n'y a pas, il n'y a plus de vent. Mais là, il n'y a pas ce problème à nouveau puisqu'il est dirigé par le pilote électrique, donc il suit un cap, donc il n'a plus besoin du vent pour fonctionner. Voilà, on reprend la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager sur vos réseaux, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Alors en premier, pourquoi j'utilise cette méthode? Alors normalement, moi je navigue généralement sous régulateur d'allure. Et j'utilise le pilote électrique quand le vent est trop faible et que le régulateur d'allure ne fonctionne plus. Mais j'ai des moments où les inconvénients du régulateur d'allure, entre autres qu'il suit le vent et pas un cap précis, me gênent. C'est quand je suis, par exemple, très près des cailloux le long d'une côte. Comme je suis en solitaire, j'ai envie que le bateau y suive une route précise, et que je ne risque pas, s'il y a une saute de vent, d'aller faire côte. Donc, dans ce cas-là, on aimerait avoir l'avantage du pilote électrique. Inconvénient, c'est si le vent souffle assez fort, le pilote électrique il force, ça consomme de l'électricité, et puis en plus, vous usez le matériel. Donc une solution, c'est de coupler le pilote électrique avec le régulateur d'allure. Donc moi, mon régulateur d'allure, c'est un Cap Horn modèle extérieur Varuna. Donc ce régulateur d'allure est prévu pour pouvoir monter un pilote électrique. Donc voilà, je vais vous montrer déjà en premier la notice d'emploi où il explique et puis on va la commenter. Alors je vous conseille de mettre sur pause si vous voulez lire entièrement la notice d'emploi. Mais il y a un petit bras vertical qui s'insère au bas de la tour du régulateur d'allure. Tout cela dépend de la façon dont est installé le régulateur d'allure sur votre bateau. Ce régulateur d'allure est fait sur mesure pour chaque bateau. Moi, cette tour, le bas de la tour, se trouve au niveau du plancher de la jupe. Donc c'est très proche de l'eau. Donc je ne peux pas y mettre le pilote électrique à cet endroit-là. Je suis donc obligé d'y fixer des bouts et de renvoyer via des poulies au pilote électrique. Mais il y a des bateaux où la tour, le bas de la tour, est au même niveau que le pont. Dans le cas-là, vous pouvez directement, sur le sommet de ce petit bras vertical, y fixer votre pilote électrique. Voilà, c'est les deux solutions pour utiliser le pilote et le régulateur sur un modèle Varuna, qui est un régulateur d'allure extérieur. C'est encore plus simple si vous avez ce même régulateur d'allure, mais le modèle intérieur. Parce que dans le cas-là, le petit bras vertical va être à l'intérieur du bateau. C'est donc très facile d'y fixer le pilote électrique directement, et en plus, il est à l'abri des embruns. Donc maintenant, en image, là, vous voyez bien que le pilote électrique n'est pas relié à la barre franche, mais qu'il est relié à des bouts via des poulies, et qui sont renvoyés donc sur ce petit bras vertical. Voilà, la caméra va avancer, on va voir le petit bras vertical en bas. Voilà, on commence à voir le petit bras vertical qui est en bas.
Donc vous voyez que ce bras vertical se trouve vraiment, moi, au niveau de la jupe. Donc je ne pourrais vraiment pas y mettre le vérin du pilote électrique directement. Donc ce petit bras vertical agit directement sur la pale en bois du régulateur d'allure. Et cette pale en bois, via d'autres bouts, elle agit directement sur la barre franche. Donc le gros avantage, c'est que ce n'est pas le pilote électrique qui agit directement sur la barre franche, mais bel et bien le régulateur d'allure. Donc le pilote électrique ne fait aucun effort. Or, un appareil électrique qui ne fait aucun effort consomme moins de courant. Et naturellement, l'usure du matériel est bien moindre, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un système très simple, très efficace. Donc les avantages sont immenses, quoi. Donc le pilote électrique ne force pas. Malgré tout, vous pouvez avoir l'avantage du pilote électrique, c'est-à-dire un cap précis. Et puisque moi j'utilise un PiPilot qui peut être couplé avec mon lecteur de cartes, donc je suis même une route extrêmement précise. Donc comme vous pouvez le constater, on voit que le cap est assez précis sur le compas, quoi. J'ai beaucoup utilisé cette méthode au Cap-Vert, mais aussi dans toute la descente le long du Brésil, puisque naviguant au large des côtes, je voulais suivre un cap précis dans un vent extrêmement variable. Donc sous régulateur d'allure, ben, j'aurais pas cessé de courir pour rectifier le cap. Là, quand je dormais un peu la nuit, etc., ben, je savais que le bateau suivait le cap exact que je voulais, quoi. Voilà, c'est donc vraiment quelque chose de très pratique. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos, et belle navigation à vous.